Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Il n'y a rien, rien qui fasse plus plaisir quand on aime la paix dans le monde que de voir des Ukrainiens, des Russes partager des bouteilles de champagne à 700 euros la bouteille sous l'œil attendri de Qataris, de Dubaïotes, de Saoudiens et de gens très fortunés du monde entier. Nous sommes ici à Megève. J'ai été invité hier soir pour un petit dîner-conférence privé où j'ai pu m'exprimer sur mon point de vue sur l'avenir du monde et sur le fait que et sur le thème de les riches vont-ils être mangés crus ou cuits. Et je remercie celui qui m'a invité. Évidemment, je ne dirai pas qui c'est, mais simplement je le remercie d'autant plus d'avoir commandé 200, il y a déjà 10 ans, 200 de mes livres « Survivre à l'effondrement économique » pour offrir au cadre de son entreprise ici en France. Donc c'est pas mal. Néanmoins, je respecte cet air de paix qui transpire à Courchevel, Saint-Tropez et ici Megève, entre Russes, Ukrainiens qui savent où sont les choses importantes, c'est-à-dire dans le compte en banque. en revanche, alors petite anecdote, Goldman Sachs a annoncé hier que la crise de la dette américaine était la crise la plus prévisible de l'histoire de l'humanité. Quand un géant spéculatif comme Goldman Sachs vous annonce que ça va être la fin des haricots pour les États-Unis, avec les conséquences que l'on sait, et tous ceux qui ont lu mes livres « Survivre à l'effondrement économique » le savent, eh bien vous savez, donc là je suis allé marcher toute une matinée, il est quoi, 15h, j'ai marché toute la journée dans les montagnes ici, il n'y a pas beaucoup de neige, on est quoi aujourd'hui, le 13 février, ah, Saint-Valentin demain. Et j'ai un peu crapahuté aujourd'hui, je rentrerai en Suisse maintenant, tout à l'heure. Et je me suis arrêté à un restaurant, la vache, les œufs brouillés au bacon, 50 euros les mecs. Bref, mais à part ça, excellent, 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 avec de la truffe, avec des trucs. Bref, chalet sauvage, je ne peux que vous le conseiller, c'était tout à fait approprié pour moi. Et puis d'autres endroits où ils font des ribs magnifiques, etc., semblerait-il. Bref, Megève, c'est bien, mais c'est cher. Mais c'est bien, mais c'est cher, mais c'est bien, mais c'est cher. Bref, quand Goldman Sachs dit une chose comme ça, ne croyez pas qu'il dit ça simplement pour vous avertir et simplement pour vous faire peur, bien qu'il sache parfaitement bien ce que ça veut dire qu'un défaut sur la dette américaine. Ça veut dire une perte massive de la richesse et le pouvoir d'achat des Américains. Ça veut dire une perte par répercussion et par effet de transmission, si on veut, à la zone euro et à tout l'empire américain qui, de toute façon, enfin, s'effondrait. Et ça veut surtout dire que la Goldman Sachs a décidé de parier contre l'empire américain, de parier contre l'Occident, parce que finalement, elle a compris que c'est inévitable. Ce que je vous dis depuis bientôt 13 ans, depuis 12 ans en tout cas, quant à la fin du dollar, la fin de l'empire américain, l'effondrement économique de l'Occident, eh bien c'est en train d'arriver. Et aujourd'hui, les grands fonds, non seulement, parce qu'ils le savent depuis longtemps, eux aussi, ils ne sont pas débiles, eh bien non seulement l'annonce, ça veut dire qu'ils se sont gavés, ils se sont remplis de shorts, ils sont prêts à planter et à jouer contre l'empire américain mourant. Est-ce qui est bien logique, est-ce qui est bien normal. Mais enfin, il faut saluer les États-Unis qui, pendant 50 ans, ont vécu à crédit sur le dos de tous les autres travailleurs et sur les ressources de l'Europe, de l'Amérique latine et de l'Afrique et un petit peu de l'Asie. Chapeau, vous avez une génération entière de mecs, ou deux générations si on veut. Ma génération, la génération X chez les États-Unis, les boomers avant eux, et les générations Z qui ont vécu à l'œil sans rien glander sur la richesse des autres. C'est fini, évidemment, ça finit, donc ils vont souffrir, ils vont avoir du mal. Et je crois, et c'est pour ça que je vous annonce la sortie de mon livre « Survivre à la peur », tome 1, qui vous aidera à vous préparer à la peur, parce que ce qui est en train d'arriver est terrifiant. Et terrifiant pour ceux qui ne sont pas préparés, bien sûr. Il sera un petit peu effrayant pour ceux qui sont préparés aussi, comme moi, parce que quand même, la fin des États-Unis, ça va être la guerre civile, ça va être les émeutes, ça va être la fin de tout ce qui est hygiène dans toute la zone euro, dans toute l'Europe, ça va être le bordel, les émeutes ethniques, les viols de masse, les nettoyages ethniques. Enfin, vous allez y avoir droit, les mecs. Et on va tous y avoir droit. Donc, il faut se préparer.
Et parce que c'est terrifiant, et je ne peux pas vous dire autrement, je ne peux pas faire autre chose que de continuer à vous dire ce que je vous dis depuis 12 ans, c'est en train d'arriver, je vous avais dit entre 2020 et 2025. Puis Trump nous a retardé le truc de quelques années, parce que évidemment, il a bloqué l'engrenage de la machine. Mais maintenant, la machine, elle a repris, et donc peut-être que c'est entre maintenant et les 3 prochaines années, mais en tout cas, on est très très proche. Et donc, parce que c'est terrifiant, je vous conseille de lire « Survivre à l'effondrement économique » et je vous conseille de lire les autres livres que j'ai écrits, « Rhubarba », « Faut quitter les villes, hein, les mecs, c'est maintenant ou jamais ». Et je vous conseille de lire mon nouveau livre « Survivre à la peur », tome 1, que vous trouvez au lien ci-dessous et dans toutes les bonnes librairies. À bientôt. Et si Goldman Sachs vous dit de vous préparer, c'est qu'il faut se préparer. Préparez-vous. Ciao.